La réforme des GHT a été très restructurante pour tous les établissements hospitaliers et en réalité, elle a même représenté un certain bouleversement, mais bénéfique puisqu'il a été fait au profit de la qualité des soins pour les patients. En Normandie, où les problèmes de démographie médicale sont particulièrement aigus, la mise en place de filières de soins et d'une vision territoriale de l'offre de soins est, à mon avis, incontournable aujourd'hui, avec un rôle particulier que le CHU doit jouer et une responsabilité qui est la sienne en matière de formation de jeunes médecins, mais aussi de répartition des emplois médicaux sur l'ensemble du territoire couvert par le GHT. Et plus généralement, cela a amené des communautés qui entretenaient certes de bonnes relations, mais peut-être un petit peu distantes. Eh bien, ces communautés ont été amenées à approfondir leurs relations autour des patients. Et je pense qu'en cela, c'est une réforme vraiment structurante, mais très bénéfique. Les facteurs clés de succès doivent beaucoup à la bonne entente entre les acteurs. Et donc, il faut se donner les conditions d'échanges réels et d'un respect de la place de chacun au sein du GHT. Dans notre GHT, il y a des établissements de beaucoup plus petite taille que le CHU. Mais je crois que d'avoir des instances qui respectent la place de chacun et qui respectent la parité en termes de composition est un élément important. Par ailleurs, je crois que d'être pragmatique et assez souple en ajustant autant que de besoin la réglementation à la réalité du groupement hospitalier territoire est un facteur clé de succès parce que je pense que chacun pourra s'y retrouver et c'est ça qui est important. Et puis peut-être un dernier facteur, c'est d'être à l'écoute les uns des autres, des besoins, des inquiétudes qui peuvent surgir. C'est à mon avis également un élément important. Et je crois que notre GHT a été dans cette direction en étant pragmatique, en étant respectueux de chacun de ses membres et à l'écoute de leurs attentes. Les réussites que nous pouvons valoriser tiennent en finalement quelque chose d'assez simple, c'est que les établissements sont complémentaires les uns des autres et donc ont tous une place au sein du GHT, ce qui les a amenés à élaborer un projet médico-soignant partagé qui est riche et qui fait vivre plusieurs filières de façon très intéressante. Je pense à la filière gériatrique, mais également à la filière de périnatalité, à celle autour de la pharmacie, avec un groupe de pharmaciens particulièrement dynamique sur notre territoire. Et ce dynamisme a d'ailleurs été remarqué par l'ARS et soutenu financièrement pour permettre d'aller encore un peu plus loin. Nous avons beaucoup de projets à venir, ce qui est la preuve que le GHT a réussi dans ses ambitions au profit des patients, avec par exemple un projet de téléurgence, un projet également de gestion prévisionnelle des emplois médicaux de façon partagée, mutualisée. Et donc, ces quelques éléments montrent bien que nous avons réussi à répondre à la fois des besoins de santé publique et également à s'entraider à appuyer les établissements sur des points, sur des sujets où les difficultés pouvaient apparaître. Je pense à la sérialisation du médicament, qui est un des sujets importants partagés par les pharmaciens du GHT. Et puis, des événements qui sont plus anecdotiques peut-être, mais qui témoignent de ce que s'est créé une vraie communauté au sein du GHT, avec l'opération Innova Soins, qui jusqu'ici était portée par le CHU de Rouen pour les équipes soignantes du CHU, et qui a été ouverte à toutes les équipes du GHT pour que puissent être mis en valeur des innovations dans le domaine des soins développées dans l'un des établissements du GHT. Et d'ailleurs, un
un des établissements du GHT, a été primé dans cette opération annuelle portée par le CHU. Nous avons eu également en 2019, au début de l'année, un week-end hackathon porté par des acteurs du GHT qui ont permis à nombreux professionnels de partager tout un week-end autour de recherche d'innovation dans le domaine des soins. Il y a donc une vraie vie et s'est créé, je pense, un esprit de coopération et d'envie de travailler et d'innover ensemble dans le domaine des soins et donc au profit des patients. Et je profite d'ailleurs de ce petit moment pour remercier l'ensemble des professionnels qui travaillent dans les établissements qui constituent notre groupement hospitalier de territoire Rouen-Cœur de Seine et sans lesquels ce GHT n'existerait pas. Ils ont mis beaucoup d'enthousiasme, d'énergie pour créer ce GHT et lui donner une réalité et pas seulement en faire une obligation réglementaire. Et donc, je pense qu'on peut vraiment les remercier. Je le fais très sincèrement aujourd'hui.